première vidéo. C'est une vidéo d'essai, hein. L'objectif pour moi est de voir si je peux faire une vidéo en moins de 5 minutes. Donc là, il est 18h23. L'objectif, c'est de faire un petit bilan très rapide de la journée, de l'envoyer sur YouTube, de le mettre sur le blog en 5-6 minutes, plutôt que d'écrire tous les soirs un article qui va me prendre une heure et demie. Donc, pour essayer de gagner du temps, je tente cette expérience. Donc, c'est vraiment la première vidéo, c'est uniquement une vidéo d'essai pour avoir vos retours, à savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que je dois parler plus fort, monter le son un peu plus, ça ne marche pas avec tel ou tel navigateur, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a eu une journée boursière, bah, on ne peut plus classique, hein. Depuis début juillet, on est habitué. On suit le trend, ça monte, ça monte, ça monte. Alors j'ai eu une amère déception parce qu'hier mon stop profit a été touché à 8175. J'attendais depuis quasiment 4 journées de boursière qu'on monte au-dessus de 8300 pour pouvoir remonter mon stop sur 8275. J'avais un pas de 100 points à chaque coup. Donc hier stop touché et puis bah, aujourd'hui on est voilà, avec 24 heures de retard. Enfin, 24 heures plus tard, on a exactement fait ce que j'avais prévu, sauf que j'ai pu mes lots d'axe. Donc là, ça fait quand même un petit peu mal, hein, 150 points de moins sur pas mal de lots en DAX. Je vous laisse calculer, on est dans l'ordre d'un non-gain, j'allais dire d'une perte, mais plutôt d'un non-gain à 4 chiffres. Bon, bah tant pis pour ce coup-ci. Voilà, rien de particulier, on monte, on monte, on monte, on est au mois de juillet, donc bah, on monte, hein. Quasiment comme tous les mois de juillet, avec très très peu de volatilité, donc c'est là où il faut se méfier, essayer de préserver ses positions. Alors, j'avais fait cette vidéo surtout pour vous montrer le petit côté comique de la journée pour moi. J'ai tradé à 9h, j'ai revendu à 9h01 ici sur cette bougie pour jouer le rebond sur le support S1, donc le plus bas était à 8218,8. Donc je vais vous montrer à combien j'ai pu choper le DAX à 9h, à combien j'ai revendu. Donc voilà, j'ai chopé le DAX à 8222,8. Je l'ai revendu à 8225,8. Donc 3 points de gain par lot. Donc on est très précisément ici. Et donc vous voyez le reste de la journée. Voilà, on a cessé de monter, de monter, de monter pour clôturer 100 points plus haut. Donc là, c'est quand même un petit scalp de 3 points positifs qui coûte bien cher. Donc déception, j'en suis presque amusé parce que c'est hélas assez classique. Content d'avoir chopé le plus bas du jour et super heureux de m'être fait 3 points dessus alors que c'était une journée à 120 points, quoi. Donc voilà, bon, c'est le fin de la test de la vidéo. Ça fait 3 minutes et je vais voir tout le reste de l'aspect technique. Donc en théorie, si tout va bien à partir de lundi, je vous fais des vidéos de fin de séance beaucoup plus intéressantes que celle-là, qui est vraiment un test fait en moins de 4 minutes, avec des trades développés, pourquoi j'ai pris position à ce moment-là, à tel endroit. Et mon sentiment global sur les marchés. Bon, bah ici, le sentiment global, hein. Vous savez, c'est ce que j'écris depuis 15 jours, ça monte. Donc, allons-y. Bon, j'aimerais bien quand même reprendre sur un retracement. À mon avis, on va quand même essayer de venir retaper sur 8003. Donc, il y aura peut-être des choses à faire demain vers 8280, 8003. Peut-être pour jouer une première réintégration sur 8003. Mais bon, ça, c'est demain. On verra bien.